Of all the financial titans and philanthropists of the 20th century, none are more complex or mysterious than George Soros. Like Carnegie, J.P. Morgan, and the Rockefellers, he amassed billions through ruthless business decisions, only to turn around and give away most of his fortune to advance his own personal philosophy. He can move world financial markets simply by voicing an opinion, or destabilize a government by buying and selling its currency. He also pledged more aid last year to help people in Russia than the U.S. government did. À l'antenne avec vous, Christos, dans une expérience, une exploration sur l'art, la beauté, tout ce qui est en relation avec l'art, peut-être une exploration avec le mysticisme. On va voir ça dans pas longtemps. Je vais commencer à lancer le sujet avec David. On va essayer d'explorer ces thèmes-là et voir si ça pourra vous intéresser. N'hésitez pas à participer. Vous pouvez appeler au 08 90 37 38 38. On est à l'écoute. Le but, c'est d'interagir avec vous, de développer l'idée, le concept, voir si on arrive à aboutir à quelque chose de beau, d'intéressant. Et comme je l'ai dit, on est le samedi 24 février 2024. Il est presque 5h, 16h48. Alors bonjour. Bonjour David. Bonjour Chris, comment vas-tu? Je vais très bien. Ok. Alors, Le jeu. On va essayer de jouer. D'accord. Au loto, ouais. On va faire un... Mais je perds toujours quand je joue. Pour ça, je ne joue plus. Ah, non. Je ne crois pas à ces jeux, moi aussi. Non, on va essayer de jouer, mais intellectuellement. D'accord. On va voir ce que ça va donner. Ça marche. Alors, mon thème, c'est le thème que j'ai pas réussi à développer le mois dernier parce que j'ai eu un peu de mal à m'exprimer sur radio, mais bon, là on va dire que je me suis préparé un petit peu plus, mettre un peu plus à l'aise. Donc du coup, j'ai voulu tourner le sujet de la beauté. Je vais continuer sur le sujet de la beauté ce mois-ci aussi. D'accord. Alors, la beauté et le mysticisme. Qu'est-ce que on peut parler sur la beauté en relation avec le mysticisme? Moi, j'ai parlé avec le chat GPT, il m'a donné quelques idées. Et on va voir si... déjà, je veux avoir votre avis. D'abord, il ne faut jamais faire confiance ni à Wikipédia, ni à chat GPT, puisque déjà, il y en a quelqu'un qui vient de me dire l'autre jour, j'ai posé... Non, il m'a dit, je donnais une lettre à GPT pour me rectifier et rajouter des choses. Après, il m'a dit, monsieur et madame, je suis vraiment désolé, moi, toutes les informations que j'ai, se concernent jusqu'à l'année 2022. Je t'assure, hein. Et après 2022, je suis pas up to date, je suis pas à jour, je peux pas vous répondre. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, rien. 10 fois je demande, 10 fois il me donne même réponse, 2022. Je dis, alors tu vois qu'il faut pas faire confiance à GPT. Et j'ai dit, alors, mais je vais t'apprendre ce que tu dois faire, je crois. Je travaille pas avec GPT, mais je vais t'apprendre ce que tu dois faire, peut-être. Il a dit, oui, dis-moi. J'ai dit, alors cette fois-ci, tu poses la même question, mais si là-dedans tu as mis une date 2023-2024 qui est en question dedans, tu élimines la date, enlève la date et il va te répondre. Et après il va dire, ah oui, ça marche. Alors c'est pour ça que Christos, c'est un exemple, c'est-à-dire quand il est, comme c'est limité. Ah, ou de l'autre côté, Wikipédia, 80% ça va, mais 20% ça va pas. Ouais. Pour ça, malheureusement, ce système-là, je ne veux pas dire aux gens, je ne suis pas quelqu'un qui dit, oh, ne faites pas ça, oh, non, la vie ça continue avec GPT, tout le monde se met, avec Wikipédia, tout le monde se met, mais moi, c'est grâce à Dieu, de toute façon, j'ai fait énormément d'études, j'ai lu énormément de bouquins dans ma vie, et que même maintenant, si
si je veux chercher des choses, les dates ou certaines choses, je veux utiliser l'Internet, mm-hmm. Wikipédia, pour beaucoup de choses, moi aussi j'utilise, par exemple, certaines choses qui sont classiques, mm-hmm. mais pour les informations idéologiques, philosophiques ouais. et tout ça, je ne fais pas de confiance, voilà. Ouais. Ouais, ouais. Il y a un biais, on va dire, de croyance des gens qui écrivent, ils ont déjà un biais politique et ils croient déjà, ils ont une façon de voir la vie que c'est pas la vie de tout le monde en fait, c'est, ils ont une façon de leur façon à eux, et en plus les gens qui font accepter les textes, les gens qui font les reviews des textes, déjà eux aussi s'ils vont pas avec la vie que ce qu'on a écrit, déjà ils vont réstructurer le texte, demander à réécrire le texte de façon que ça réponde, c'est autocratie au complète, c'est, y a pas de démocratie, y a pas, tu peux pas discuter, c'est, les gens ils ont une vision de voir, ils ont une façon de voir, c'est comme les chevaux avec les pales, et c'est vrai on peut pas faire vraiment confiance à ce genre d'information, c'est pas on va dire la référence qu'il faut prendre, ni ChatGPT ni Wikipédia, oui c'est vrai. Oui, je suis d'accord avec ça. Oui, il y a beaucoup d'informations qu'on peut récupérer, comme ça, alors, les formations plus basiques, mais oui, quand ça tape dans le côté philosophique, oui, ça peut être tendu. c'est vrai. Ouais. Mais bon, le sujet de la beauté et le mysticisme, là, j'ai une question. Comment les traditions mystiques et spirituelles perçoivent-elles la beauté ? Existe-t-il des conceptions universelles de la beauté dans ces traditions? Est-ce qu'il y a le concept de beauté dans les religions, dans les philosophies mystiques, par exemple, là, il m'a sorti du platonisme, du hindouisme, du bouddhisme, du christianisme et l'islam. Il y a des concepts de islam. Beauté. L'islam. Islam. Alors, c'est un C, c'est pas Z. Islam. Déjà, je vais te dire une chose, que cette question-là aussi, elle entre dans le débat qu'on a eu tout à l'heure. Mmh. C'est-à-dire, la beauté, selon toutes les philosophies et toutes les religions du monde, la beauté, ce n'est pas la beauté physique. Ouais. C'est-à-dire, aucune philosophie, aucune religion dans le monde ne parle pas de la beauté physique de l'individu. Ouais. Toujours il y a une question de spiritualité, spirituelle, beauté de pensée, beauté des actes, beauté de ce qu'on fait, tout ça. C'est-à-dire jamais tu ne trouves aucune religion ni philosophie de parler de beauté, de visage, de physique. Mais malheureusement, avec intelligence artificielle, avec notre époque, ça aussi, ça a changé. Maintenant, la beauté, quand il parle dans ton modèle, Charlie Chaplin, toi, c'est ton modèle. Le temps s'est terminé, un autre temps qui a commencé, c'est le temps de modèle intelligent artificiel, la beauté c'est la beauté. C'est-à-dire quand on dit beauté, quand il parle d'un homme, d'une femme, tatati, la beauté c'est son visage. Ouais, c'est, le corps, si, le visage. Voilà, si j'ai pas bien rasé, j'ai pas bien coiffé, j'ai pas bien habillé, est-il n'est pas artistique, est-il n'est pas diplomatique, est-il, parce que tu sais, il y a plusieurs types de beauté. Voilà. Ouais, et de l'autre côté, concernant les femmes, moi je vais te dire une chose. Ici, on ne le voit pas beaucoup en France, mais dans certains pays orientaux, les femmes, surtout les filles, les jeunes filles, ils sont presque tous pareils, le visage. Ah. Par exemple, moi je veux parler des femmes perses, des filles iraniennes. Oui, normal, c'est votre monde. Voilà, même les autres, c'est comme ça, mais bon, parce que je ne veux pas toucher l'autre, je dis ça. Alors, tu vois, n'importe quelle fille iranienne que tu le vois sur Instagram, qui même, elle est en Iran. Ouais. Elle est en Iran, elle n'est pas ici. Les gens qui sont ici, non, les gens qui sont là-bas. Dès que tu regardes, tu vois le visage, le nez, le bouche, tout c'est presque la même chose. Ouais. Tu sais pourquoi c'est comme ça?
Bah, il y a des stéréotypes. Il y a des opérations chirurgiennes de beauté qui ont fait changer leur nez. Tout est français. Donc, du coup, tout devient pareil. C'est-à-dire, à l'époque, pour les enfants, même maintenant, certaines religions, c'est pour le fils, c'est le couper les isées. Ouais. C'est la tradition juive et musulmane pour le couper. Mais maintenant, pour les filles, c'est de tout de suite, dès qu'il a un peu l'argent, tout de suite, dès qu'il a l'âge, que le médecin il accepte, qu'il signe, prend tout, tout de suite, ils vont faire une opération de nez. Tous les nids difficiles, la même chose. Tout. C'est-à-dire, la philosophie de. Intelligence artificielle dans notre monde, c'est la beauté de la fille. Il fallait qu'elle soit maigre, le mec aussi, il fallait qu'il soit sportif, le musclé, et tout ça. La beauté aussi, actuellement, ce n'est plus la beauté de penser. Parce que la beauté de penser, comme tu viens de dire, c'est ChatGPT. Un enfant de 9 ans te va demander ce qu'est David Abbasi. Et tout de suite, il tape David Abbasi sur Google et il me connaît mieux que moi. Il connaît des choses sur moi que moi-même j'ai oublié. L'autre jour, quelqu'un m'a parlé de certaines choses que moi-même j'avais pas tout de suite dans la tête. Comme l'émission de tout à l'heure qui a été diffusée. Cette émission, c'était ancienne, et 11 ans. Là-dedans, les choses qu'on est en train de dire, moi-même, quand je l'écoute, je vois plus mieux. J'avais tout oublié. Ah, je n'ai pas gardé des milliers d'interventions des gens, moi, dans ma tête. Tu comprends? Ouais. Et même. Voilà, c'est ça, Christos. C'est-à-dire, actuellement, même la beauté. Ce n'est pas la même chose, la religion n'est pas la même chose, la religion surtout actuellement, c'est pour tout le monde. Tu sais, toujours, le monde, ça fait à l'image de son Dieu. Ouais. Le Dieu de l'époque, c'était le Dieu, Dieu des chrétiens, Dieu des juifs, Dieu des... Les musulmans, okay. Dieu des bouddhistes. Maintenant, la plupart des endroits dans le monde, il y a un seul Dieu. Ça, c'est Dieu de dollars. Ah, c'est l'argent maintenant. Maintenant, c'est l'argent. Et pourquoi, encore je veux dire quelque chose et que j'avais déjà dit depuis quelques années, pourquoi? Parce que le patron du monde, c'est l'argent. Et celui qui gère le monde, actuellement, quelqu'un gère le monde, comme d'habitude, comme toujours, quelqu'un gère le monde. Comme quelqu'un gère la France, quelqu'un gère les États-Unis, quelqu'un gère Grande-Bretagne, Égypte, Tunisie. Toujours, il y en a quelqu'un qui gère le monde, c'est-à-dire il est presque chef philosophe de son clan qui dirige le monde. Il y a un groupe, on dit 313 personnes, on dit 700 personnes, on dit, mais il y en a toujours un chef. Le chef, c'est l'idéologue. Il donne les idées, le programme. Celui-là, cet idéologue, cette personne, carrément, il a déjà 30 ans, 35 ans, et il a dit, moi, je ne crois ni en Dieu, ni en religion. Après, la question, à quoi vous croyez? Make money. C'est-à-dire, c'est voilà, ce que tu as dit, l'argent. Mais il parlait en français, mais quand il a voulu répondre ça, il a dit make money. Après, la même personne était interviewée par une grande chaîne américaine à l'époque, toujours il dit make money. C'est pour ça maintenant, c'est make money. À l'époque, nous, quand on disait on n'a pas de l'argent radio, on n'a pas l'argent, s'il vous plaît, aidez-nous pour pouvoir patati patata, je t'assure, on recevait des dizaines, des vingtaines des enveloppes par semaine, dédiées des plaies, je recevais les chèques, les gens, ils donnaient à 10 euros jusqu'à 100 euros, 100 francs, c'était francs à l'époque. Mais maintenant, nous avons une équipe, des gens gentils, des auditeurs et tout ça. Mais maintenant, ce n'est pas comme avant. Les gens d'abord n'ont pas l'argent, les gens qui nous écoutent. Les gens qui nous écoutent, qui ont l'argent, ils n'osent pas à payer, à régler, à aider une association.
De l'autre côté aussi, moi, pendant ma vie, j'avais des fidèles qui donnaient leur vie pour vendre et présenter mes journaux. D'accord. Parce que j'avais un journal, à l'âge de 19 ans, j'étais rédacteur en chef d'un journal. Mon journal était révolutionnaire, anti-ayatollah, anti-pouvoir politique et religieux. Alors, à l'époque, les kiosques, ils vendaient mon journal. Mais la jeunesse aussi, il avait envie de participer. Et prenait le journal, même ici à l'Université de Paris, dans les années 80, ils vendaient mon journal. Qu'il soit ici à Paris ou là-bas, le jeune, il attaquait ces gens-là. Il attaquait avec le couteau, patati, pourquoi tu n'as pas de chapeau, pourquoi tu vends ça, pourquoi tu critiques ça. Et la personne était très courageuse. Je vais te dire ça, voilà, pas de problème. Moi, presque moins de 100 personnes dans les années 80, ils ont perdu leur vie pour moi, un écrivain de 22 ans. Ils ont donné leur vie. Mais maintenant, les gens, même pas, ils n'écoutent pas une émission. C'est-à-dire, une heure, il est fidèle, il t'aime et tout ça. Il dit, ah, j'ai tout écouté. Mais quand tu vois les questions qu'il pose, tu vois, oh là là, au milieu de ton émission qui est en train de diffuser par satellite dans le monde entier, lui, en même temps, il a fait un thé, en même temps, il est allé aux toilettes, en même temps, il a donné une leçon à son enfant, en même temps, il a fait ça, de une heure d'émission, il a coûté que 10 minutes. C'est-à-dire, les gens d'aujourd'hui non plus ne sont pas comme avant. Pour ça, même les philosophies, les religions, les idéologies, la beauté n'est pas la même chose avant l'ancien monde. Ancien monde, carrément, a commencé à partir de l'année 2021, avec Covid. C'est-à-dire, regarde, 2021 jusqu'à maintenant, Christos, ça fait 2 ans, 3 ans. Le contact, les relations avec la famille, avec les amis, n'est pas comme avant. Non, c'est vrai. C'est-à-dire, ça a changé. même rencontrer quelqu'un, voir quelqu'un, Il y a un changement de paradigme, en fait. C'est terminé. Ouais. Alors, par Skype, par WhatsApp, le contact, Bon, ça se tu passe pas comme ça dans ma famille, par contre. Nous, on a besoin de se voir, de se toucher, de manger ensemble. Je t'ai dit 80% Voilà, peut-être, c'est ça. 50%, 40%, ça dépend de certaines familles. Mais c'est vrai, certaines familles qui ont gardé leur tradition philosophique, religieuse, traditionnelle, ils sont toujours en famille, tu comprends? Mais moi, j'ai plein d'amis, plein, non? Plein d'amis. Ce n'est pas un, deux, trois, quatre. Les gens, ils peuvent venir témoigner sur l'endette. Ils disent, moi, mon fils, il va parler avec moi, ma fille, elle va parler avec moi, ma femme, elle va parler avec moi, il est dans la pièce à côté, même il est à côté de moi en train de regarder la télé, il m'envoie un SMS. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux comme moyen de communication directe et on évite des fois de parler directement avec aux gens. Ça démontre un peu on va dire, l'anxiété sociale actuelle des gens. Et les gens sont trop accrochés à leur portable. Ils ont resignifié la beauté, en fait. Il n'y a pas la même signification, la beauté, la beauté des choses. En fait, pour moi, la beauté, c'est, j'ai dit le mois dernier, je l'ai dit, la beauté, c'est le moteur du monde. Pourquoi? En fait, c'est si j'aime quelque chose, ça va me faire le faire. Ça va me pousser à faire la chose. Par exemple, si j'aime une femme, ça va me pousser à aller la parler et faire la courtoisie et tout. La draguer, quoi. Maintenant, si tu veux draguer quelqu'un, Tinder. On dit, voilà, c'est... Tinder. C'est t'achètes. J'aime, gauche. Droite. J'aime pas, gauche. Et slide, 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 slide. Ah, j'aime, j'aime, j'aime. Ah, j'aime, j'aime, j'aime pas. C'est un peu ridicule. J'ai laissé. Hein. J'ai été sur Tinder un bon moment, comme ça, pour essayer, pour tester, pour voir si j'arrivais à... Parce que la France, elle est énorme, mais très solitaire. C'est vrai. Très solitaire. C'est principalement Paris. Hein. Paris, c'est métro boulot dodo. C'est vraiment métro boulot dodo. Il n'y a pas vraiment si on est parisien, centre Paris, je suis d'accord. Mais pour les banlieusards, c'est ça la réalité. Il n'y a pas vraiment on va dire une vie après le boulot. C'est tu rentres, tu rentres chez toi et voilà, tu regardes la télé, internet, t'as tes potes à côté. Tu vas boire un verre maximum, mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les jours. C'est pas
L'interaction est différente. Au Portugal, moi je suis portugais. Au Portugal, c'est différent. On prenait un café tous les soirs. C'était le naturel. Ici, non, c'est pas la culture. En tout cas, ce que j'ai vécu ici, pour là jusqu'à présent, c'est pas trop la culture. Mais voilà, c'est pour ça que je me suis. Voilà, la justification du pourquoi du Tinder que j'ai laissé tomber. Parce que c'est l'idée d'acheter quelqu'un, entre guillemets, c'est on achète quelqu'un par un coup de dopamine. Ah, ça m'a ouf, ça m'a plaît, ça m'a plu, j'ai envie de droite. Et tu pries pour que quand tu pousses le droite, que cette personne va pousser droite aussi. Et on s'achète mutuellement. Money. Capitaliser la beauté. Non, moi je suis pas d'accord. C'est vrai. La beauté est bien plus complexe que ça. Et les gens, je crois que parfois, ils savent pas qu'est-ce qu'ils aiment. Qui croient que la beauté, que c'est leur beauté. Moi, personnellement, ce que je pense, c'est que la plupart des gens ont la beauté, mais c'est pas leur beauté. C'est la beauté de quelqu'un qui lui a été mise dans leur tête, dans leur esprit. C'est une culture qui a inculqué l'idée de beauté. Ça, c'est beau. Non. Pourquoi ça, c'est beau? Non. Moi, pour moi, c'est pas beau. C'est comme l'idée de succès. C'est quoi avoir le succès? Avoir beaucoup d'argent, avoir des milliards, d'avoir 50 000 voitures, avoir un yacht. Non, c'est quoi le succès? C'est quoi vraiment le succès? C'est quoi avoir du succès dans la vie? Peut-être une famille, peut-être la famille, peut-être les amis, peut-être l'art, pour moi. Réfléchir, quoi. Se poser. Prendre les choses calmement, respirer. Voilà. Et premier jour, je ne sais pas, il y a combien d'années, 30 ans, 35 ans, 40 ans, je ne sais pas exactement. Premier jour que j'ai regardé une émission à la télé et j'ai vu l'individu, il fait un acte. Après, il n'y a personne autour de lui, mais plusieurs dizaines de personnes. Je regardais attentivement, je voyais, non, ce n'est pas une pièce de théâtre. C'est l'individu, il est en train de jouer dans une chambre, dans un appartement. Après, il va se déplacer, il va aller dans le jardin. Mais n'importe quoi qu'il fait, tous les deux, trois, quatre, une minute. Il y a un sourire faux, quoi, quelque chose de très Voilà, théâtral. ça j'étais étonné. Et après, à la fin, quand l'émission était terminée, quand le film était terminé, on jouait, oh, le débat comme quoi on vient de créer un instrument, comme quoi on peut envoyer le son. Soi-disant, comme quoi les gens ils sont en train de rigoler n'importe où Ah, on désire, ok. pour un film, pour un patati. C'est-à-dire, il te dit dès que quand tu dois rigoler. C'est ça. Ça, c'est très télé, ça. Le jour que Christos, ça a commencé, là, j'ai dit c'est un danger. Depuis toujours, on était manipulé par les créateurs des religions, des C'est ça. philosophies et tout ça. Mais ça, c'était énorme. C'est-à-dire, même pour toi, c'est lui qui a décidé au moment que tu vas rigoler. Ça, C'est ça. je dis en faveur de ce que tu viens de dire, comme quoi quelque chose que l'autre il aime, toi, tu ne l'aimes pas. Mais ils ont fait ça marchait jusque maintenant. Jusque maintenant, les enfants d'aujourd'hui. Ne sont pas les enfants d'il y a déjà 5 ans, 6 ans, 7 ans. Moi, beaucoup des enfants de mes amis et ma famille, je le rencontre de temps en temps. Je vois 5 ans, 6 ans a été passé. L'individu, à l'époque, il avait 5 ans, 6 ans, 4 ans. Maintenant, il a 12 ans, 13 ans, 14 ans. Je vois, il est tellement imbécile par rapport de connaissances qu'il avait quand il avait 5 ans. Quand il avait 6 ans, par exemple, il y avait un garçon, je me rappelle, à l'époque, il avait 5 ans, il n'avait jamais monté dans le métro, jamais. Mais quand j'étais allé chez eux, il venait avec le plan de métro, il me disait, demande-moi la ligne 13, quelles sont les stations? J'ai dit, ligne 13, vas-y. Et il disait toutes les stations par cœur. Un enfant de 5 ans.
et que ça fait énormément de choses. Mais maintenant, n'importe quoi qu'il va faire, même quand il va aller aux toilettes, son portable, c'est à la main, ouais. Et la tête est lavée comme tic-tac. C'est ça. Comme Instagram. Ça. Voilà, on arrive au moment intéressant. C'est voilà. Instagram, TikTok, Facebook, voilà, c'est-à-dire, les GAFAM. Voilà, la tête s'est lavée. Et pour les enfants, nos enfants de demain, ça c'est dangereux. Eh oui, parce que ça formate. Bah, la télé est formatée déjà. Mais là, ça devient de plus en plus. Non. Il y a quelques penseurs, sur que je regarde beaucoup dans YouTube, je regarde beaucoup de podcasts. Il y a quelques penseurs qui disent que aujourd'hui, ça fait tellement peur que ces GAFAM, ils sont en train de réfléchir aux moyens de capitaliser chaque seconde d'attention humaine. Ils vont essayer de capitaliser de façon à que tu restes tout le temps accroché à ton portable. Chaque seconde que tu es en train de respirer, regarde ton portable, regarde ton TikTok, regarde ton Instagram, tes Reels, ton YouTube Short. Tout est réduit à 30 secondes. D'informations 30-10 secondes et on reste là, c'est des shots de dopamine à chaque 30 secondes et après les gens ils vont mal, ils savent pas pourquoi. Ils sont en dépression, ils sont dans le mal, ils mangent trop, ils boivent trop, ils fument trop, ils savent pas pourquoi. Et tout ça parce que voilà, ce que je disais, c'est les gens peut-être ils oublient, ils n'ont pas appris, on l'a pas enseigné, on va dire, on l'a donné les outils pour pouvoir découvrir vraiment qu'est-ce que c'est leur beauté. Qu'est-ce que pour eux c'est la beauté? Qu'est-ce qu'ils aiment vraiment? Qu'est-ce que tu aimes vraiment? C'est ça en fait. Qu'est-ce qui te tourne? Qu'est-ce qui te fait vraiment tiquer? C'est acheter une voiture ou c'est, je sais pas, marcher dans la plage, ou marcher dans la forêt, ou je sais pas, lire un livre, j'en sais rien, quelque chose, respirer, regarder le ciel. C'est vrai. Ça va. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai tué la conversation. Tu vois, une chose que je veux te dire, c'est ton deuxième émission, ouais. Tellement mieux que par rapport à la première. Ah oui, là, c'est ça, quand on a envie de faire quelque chose, quand on prend le cul, quand on écoute les conseils, parce que c'est des conseils, on est en train d'apprendre. Bon, vous m'aidez aussi, parce que sinon, là tout seul, je serais, en fait, en solo, en acapella, je serais pas capable. Ça aussi, ça va arriver. Ah, il y a quelqu'un qui vous appelle. Oui, ça aussi, ça va arriver, puisque c'est tout à fait normal. La vie, le soir, quand je dors, j'éteins le téléphone, même, je mets dans une autre chambre, tu comprends? Oui. Voilà. Et Alexis qui est en train de nous répéter. Faut dire, Alexa, arrête. Non, ça va, il n'a pas entendu. Si, vas-y. Alexa, arrête. Ouais, c'est bon. Tu vois. Avec les technologies. Hein. Alors, c'est Alexa, pour les gens qui nous écoutent, nous sommes le samedi, comme Christos il nous a dit, 24 février 2024. Et il est 5h21, 17h21. Si vous avez des choses à dire, vous pouvez nous appeler 08 90 37 38 deux fois. Vous savez, Alexa, c'est très gentil, puisque quand vous avez Alexa chez vous, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille, il va vous faire tout, de tous, pour essayer d'avoir Alexa chez vous. De toute façon, même nous, nous avons... C'est quoi Alexa qu'on a acheté, puisque on nous a demandé, on peut vous les vendre à 75 euros si vous voulez. Ce n'est pas pour gagner de l'argent. Hein. Ils vendent à 120, 140, même 90 euros à Amazon. Ouais. On vend moins cher. Comme ça, vous avez Alexa chez vous, il est tout trop petit, et il peut écouter toutes les radios, toutes les télés, toutes les musiques, tout ce que vous voulez. Voilà. C'est un assistant, ça va aider à monter du son, à réécouter de la radio, voilà. N'importe. Parce que là, ça a développé, ça a passé par ChatGPT, Tinder, c'est quoi la beauté. Vas-y, deuxième question. Vous écoutez votre radio ici maintenant, ici maintenant.com dans le monde entier, vous pouvez nous écouter, mes chers amis. Et dès que vous avez envie de parler, nous sommes là pour vous écouter. Vous pouvez composer votre numéro, que vous le connaissez, et intervenir. On est là pour vous écouter, mes chers amis. Oui. Oui, Christos, vas-y. Alors, dans quelle pratique mystique de la beauté est-il considéré comme un élément essentiel? Comment la beauté est-elle utilisée pour inspirer la contemplation, la méditation et la connexion spirituelle?
Alors, déjà, je vais te dire une chose que peut-être certains individus vont être étonnés. Et à l'époque aussi, la beauté, c'était comme aujourd'hui. La beauté, surtout humaine, était admirée comme on admire actuellement la beauté des femmes, par exemple, qui pour tous les trucs publicitaires, on utilise l'image des femmes. Partout, 90% c'est des femmes. 10% c'est C'est l'homme. des hommes. Alors à l'époque, aussi femme, la beauté de femme était très importante, on l'utilisait, surtout qu'il y avait des temples de l'amour. C'est-à-dire, tu entres dans le temple, c'est comme dans la maison close. Tu connais? D'accord. Tu connais maison close? Ouais, j'ai Voilà. connu un peu, Voilà, mais tu entrais pas fan. Et tu choisissais la plus belle fille à ton goût et te coucher avec. Pour ça que la plupart des fois, même quand on voulait sacrifier les choses avant que le mouton prenne place de l'homme, c'était des belles filles. C'est-à-dire il y avait certaines sectes, Oui. puisque bon, on parle de religion et tout ça, c'est Oui, toutes les sectes. c'est l'idée, Voilà. c'est l'idée. Voilà, tous les sectes, il y avait des sectes qui choisissaient des belles filles et ils massacraient les C'est filles, ça. Il y ils a toujours un rapport avec sacrifiaient. le sang, c'est ça qui est intéressant. Voilà, ils sacrifiaient les filles. Et c'est pour ça que même dans l'histoire, on dit par exemple, dans l'histoire, j'ai vu chez les Grecs et chez plusieurs d'autres anciens écritures que ça existe, que Je par crois que exemple, c'est dans l'hindouisme, ils doivent en avoir. Bah, déjà, ils ont les il y en temples. a, Ils ont les mais par temples exemple, du dieu avec des positions, machin, Kama Sutra et tout. oui, chez les hindous, en Inde, enfin, Oui. en Inde, il y a certaines sectes qui, leur idole, c'est le zizi de l'homme. Et ils travaillent avec le zizi de temps en temps. C'est sur l'internet aussi, vous pouvez regarder. Ok. Non, je connais un, c'est avec le. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est il y a le vagin et le zizi de Shiva. Mais non, le Je sais pas vagin, c'est si autre c'est. chose, on va y arriver. Mais par exemple, les zizi, il y a des Indiens qui l'ont, ça fait pas même pas 20 cm, 40 cm, 5 cm, ça fait 2 mètres. D'accord. Il tourne comme une ceinture autour de c'est-à-dire tellement il joue avec, et patati, ça c'est l'internet que tu peux Bah, regarder. hell. Ok, il faut que j'aille C'est-à-dire, tu chercher vois ça. que même le sexe, la beauté, pour certains, le sexe, par exemple, même dans le film Alexandre, on a pu constater ça, que par exemple, maman d'Alexandre était une ex-femme de temple. De temple, pas de temple de prière, temple de sexe, D'accord. qu'il couchait avec. Et on dit que même au départ, c'était fait un cadeau à roi perse. D'accord. On voit les rois perses, c'est dans les mythes, tu comprends? On dit même Alexandre, c'était l'enfant de roi perse. C'est pour ça que sa mère, elle dit, Philippe n'est pas ton père. Ton père, ton pays, c'est l'Empire perse, tu dois aller le conquérir. C'est-à-dire le courage qu'il va avoir, Alexandre, pour prendre l'armée et aller, après plusieurs échecs de Rome, d'Occident de l'époque contre la Perse, et lui, il va gagner, c'est avec le but qu'il va aller conquérir son pays, que sa mère avait en relation avec le roi perse. Tu D'accord. comprends? Alors, c'est pour ça le sexe. Beaucoup d'histoires comme ça aussi, on va pas y entrer, hein. C'est-à-dire la beauté, parce que la civilisation d'aujourd'hui que nous avons, si on étudie bien l'histoire de Mésopotamie, civilisation élamienne, il y a déjà 8 000 ans, 7 700 ans, 10 000 ans, on peut constater qu'à l'époque, on avait des choses similaires qu'aujourd'hui. Ouais, l'homme, il n'a jamais changé, c'est simplement les technologies qui ont changé. Oui, même la technologie d'aujourd'hui, il l'avait à l'époque. Par exemple, à l'époque, il disait, viens, je veux ton. C'est dans les histoires avant notre ère. Il disait, regarde dans l'eau, le bassin. Il regardait et il voyait sa mère. C'est comme à la télé.
Ah. Ah oui, ça existe. C'est-à-dire, moi, quand j'étais enfant, je me rappelle des histoires comme ça. Ça existait, on lisait, tu comprends? Ok. Pas à l'école. Okay. Et même partout, même dans les, parce que moi, j'ai étudié, j'ai lu beaucoup de livres anciens. Ce n'est pas maintenant taper sur Wikipédia. Moi, un jour, Rumi, je voulais faire des recherches sur Rumi pour deux lignes de poèmes seulement, pour savoir ça c'est correct ou ça c'est correct. Parce que c'est tous les poèmes de Rumi sont en persan. Mais il est enterré à Konya. Konya, c'est en Turquie. D'accord. Alors, moi, j'étais à l'époque au Liban. J'étais à Beyrouth. Alors, pour mon mémoire, je voulais citer Rumi et sept poèmes. Et j'ai dit, punaise, c'est laquelle qui est correcte? Je suis allé chercher pour trouver un livre ancien, plus ancien de Rumi. Hein? J'ai pas trouvé à Damas, dans la Bibliothèque nationale, j'ai pas trouvé à Beyrouth. Après, j'ai dit, je vais aller à Konya. Parce que j'ai entendu qu'à Konya, Qui est mort? il y a un livre dans le tombeau, sous vitrine, que les gens peuvent regarder sous la vitrine, c'est le plus ancien. Il y en a actuellement même. Alors j'étais allé là-bas, j'ai trouvé des amis très sympas, des professeurs de l'université, tout ça c'est à part. Mais après, deuxième, troisième jour, j'ai dit, oh, monsieur, vous êtes professeur ici à l'université, tout ça, peut-être vous pouvez me faire quelque chose. J'ai dit, on va aller au tombeau de Rumi. Il y a un livre caché sous la vitrine, tout ça. J'ai dit, 2 minutes, vous demandez qu'il ouvre à clé. Parce que c'était fermé à clé. Parce que moi, je profite. Je dis, viens, on va y aller. Et on va aller ensemble. Dès qu'il va appeler la personne pour ouvrir, moi, je regarde, je vois, hein, C'est les déjà deux ouvert. pages qui est ouvertes, parmi 700 pages, c'est les deux pages que moi, je veux. Eh ben, Ça, c'est c'est malaisant, ça. l'homme de Dieu. Hein. Et je vois, plus il est là à l'époque, j'avais un La appareil. synchronicité Ouais, magique, je prends une photo et tout ça. C'est grâce à Dieu le page que je voulais. Voilà. C'est pour ça. Et c'était quoi, déjà? Il dit, Beshnoazney, chun, hekayat mikonat, az judaiha, shikayat mikonat. Ici, c'est le mot hekayat et shikayat, c'est-à-dire raconter. Raconter et porter plainte. Et se plaindre, les deux, l'emplacement s'est échangé dans tous les livres qu'on avait écrits. C'est-à-dire, il écoute un musicien qui joue au ney. Je connais, Qui j'ai joue. essayé de jouer ça en plus. Ah, Ouais, j'ai essayé, j'ai pas alors, encore. ney, nous Mais non, vous en avez un, oh, c'est pas possible. Là, ici. Pas joué alors. Alors, ney. Ney, en plus, ça nous a été offert à Morgan par un grand musicien. Qui joue le ney et qui lui-même l'avait fait. Enfin, il dit, écoute, qu'est-ce qu'il te raconte, le ney? Il est en train de se plaindre de déchireur. Mais partout, c'est marqué Des déchireurs. déchireur, déchire, D'accord. déchirer, séparation, de séparation. Et en plus, partout, c'est marqué, écoute, ney, de quoi il se plaint? Donc, le gars ici se plaint d'abord. Il est en train de raconter le déchireur, les séparations, être loin de Ah, l'amour. ok, là. Il y a un mot portugais, c'est saudade. Ça va. La saudade, qui c'est en fait le manque d'un passé, d'un manque d'un peuple, un manque d'une famille, quand on a lâché, on a parti vers un autre pays, par exemple, et on a laissé derrière la famille, Ah, ceux qu'on aime. voilà, c'est ça. Voilà. C'était l'histoire de Rumi, parce que Rumi, tu Moi, il sais. y a une phrase que j'ai toujours aimée de Rumi, c'est si je m'aime, je t'aime. Si je t'aime, je m'aime. Bravo. Ça, j'adore cette mot, cette Ah, phrase-là, géniale. c'est des miracles. Tu sais, tout le monde doit être Rumi, parce que tu sais, jusqu'à l'âge de 40 ans. Personne ne sait pas ça. Je vais vous confier, mes chers amis, quelque chose de très intéressant de la vie de Rumi. Parce que lui, il était patron de la justice à Konya. À l'époque, Konya, c'était Niran.
C'était l'Iran. La totalité de Turquie d'aujourd'hui, c'était l'Iran et beaucoup d'autres pays. Alors lui, son origine, c'est Balkh. Balkh, c'est une ville en Afghanistan actuellement. L'Afghanistan, la totalité, c'était l'Iran à l'époque. Avec son père, c'était des savants révolutionnaires. Ils sont obligés de quitter Balkh, l'Afghanistan d'aujourd'hui, traverser l'Iran et aller se héberger en Turquie d'aujourd'hui, à Konya. Et là, Rumi, il va être juge, chef de tribunal dans la ville de Konya pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, il est en train de juger, exécuter les gens, mettre en prison, etc. Mais un jour, il y a un derviche, un clochard, un soufi, parce que les fidèles de Mawlana, Rumi, on dit derviche. Derviche, c'est les gens qui... Non, derviche, c'est l'individu qui n'a pas de maison. C'était comme un clochard. À l'époque, ici, dans l'Europe, c'était les pèlerins. Ils n'avaient pas de maison, mais ils faisaient des routes de pèlerinage pour pouvoir vivre. Non, parce que quand tu dis pèlerinage, ça donne une valeur religieuse. C'est pas. Il n'était pas contre la religion. D'accord. Même il disait que je suis musulman, mais il était contre la religion. D'accord. Il traversait le monde pour apprendre. Et sans un sou. Et partout, il était invité. Et il demandait de l'argent. Oh, il y avait quelque chose à la main que les gens lui mettaient l'argent. Mais une image de ça, mais dans la Bible, c'est le juif qui marche errant avec un âne. Et il donne de l'argent et tout, mais il est très savant. Et... Voilà, c'est ça. À l'époque, les gens, c'était des savants. Pourquoi ? Puisqu'ils traversaient le monde. Dans chaque pays, ils apprenaient des choses. Dans chaque pays, moi-même, dans ma jeunesse, dans chaque pays que j'étais allé, avant tout, j'étais allé dans les bibliothèques. Pendant 2 jours, j'étais dans les bibliothèques, après dans les universités. Mais même si j'étais pas étudiant, j'étais. C'était mon centre de repère. On dit auditeur libre. J'étais auditeur libre dans plusieurs conférences, et dans plusieurs villes du monde, qui sont le Caire, Damas, Beyrouth, dans certains pays, tu comprends. Et là, tu apprends des choses. C'est comme la radio. La radio, en même temps que nous, on donnait des choses depuis 45 ans, avec 40 ans, avec Didier, en même temps, on apprend des choses. C'est-à-dire, plusieurs fois, les questions que les gens ils me posaient, ça s'ouvrait ma tête vers quelque chose. Même la semaine dernière, j'avais M. Jacques Miard comme invité, maire de Maison Lafitte, député, patron d'un parti politique, etc. Même il y a déjà 10 jours, on est en train de parler avec Jacques Miard, j'ai appris quelque chose que j'avais entendu 10 000 fois, mais jamais je n'avais pas fait le lien. Mais tout d'un coup, il dit quelque chose, j'apprends. Tu sais, c'était quoi? C'était Noël. Puisqu'on parlait de Jésus, de Christmas, de date de naissance de Jésus, de Mitra et tout ça. Après, de Noël, on parle, il dit Noël, tu sais Noël, David, ce n'est pas Christmas. Noël, ce n'est pas le jour de naissance. Noël, c'est non, c'est nouveau en grec. Et elle, dès qu'il me dit non, c'est nouveau. Et c'est un petit punaise. Regarde, comment ça se fait que je n'ai jamais fait attention à ça non plus? Parce que nous, dans la langue persane, pour le nouvel an, tu le connais, on dit fête de Nowruz, tout le monde le connaît. Même c'est une journée internationale qu'on a fait enregistrer à l'UNESCO. Même à l'UNESCO, tu vas aller dire Nowruz. Il dit c'est le 21 mars, ce jour de l'an perse. Et qui est connu dans le monde entier. C'est pas dans pas longtemps. Voilà, dans un mois. Et nous, j'ai dit, M. Miard, nous on l'utilise aussi, nous. Rose, au lieu de elle, on dit rose, non, plus, c'est la même chose alors. Tu vois? C'est-à-dire, toujours, on est en train d'apprendre. Alors, Rumi, également, 40 ans, il a 40 ans.
Mais tout d'un coup, il y a un derviche, voilà. Maintenant, on sait qu'est-ce que ça veut dire, derviche, un clochard, un soufi, on dit soufi aussi. Un soufi, c'est un clochard aussi. Voilà, le clochard, il faut savoir, le clochard positif. Parce que le clochard philosophe. Voilà, la plupart des clochards que vous voyez dans la rue, plupart, ce sont des gens, des savants. Il était patron de quelque part, propriétaire de quelque chose, et après une faillite, après un échec, après un problème, il a tout perdu. Il a tout perdu et maintenant il roule dans la roue. C'est marrant, ça c'est en hindou, les hindous, dans l'hindouisme, on a les agoras. Ça existe partout. Regarde, moi, ceux qui se mettent assis sur les corps morts et tout. Voilà. Les agouris, pardon. Agouris. Moi, dans les années 80, à Didier, je venais de voir les clochards. Je ne savais pas puisque tout ça. Après, je lui ai posé la question. Didier m'a dit ça. Je lui ai dit, ah bon, c'est dans le sens. J'ai dit, Didier, je vais aller enregistrer des interviews avec quelques clochards. Et il m'a dit, tu dois mettre une bouteille de vin dans ton cartable. Avant, tu donnes la bouteille de vin à n'importe quel clochard. Après, tu dis que je vais enregistrer. Je dis, c'est vrai, il m'a dit. Alors, j'ai pris quelques bouteilles de vin. À l'époque, j'ai enregistré. J'ai interviewé une dizaine de clochards. Parmi 10 que j'ai enregistrés, 9, c'était des savants. Qui, quand on parlait... Après, moi, je mets à terre avec lui, à côté de lui, les gens lui passaient, jetaient l'argent, tout ça, et j'étais en train d'enregistrer. C'est là que j'ai compris, les clochards, c'est des savants. Ouais. Mais ils ont perdu, parce que quand tu perds, on a énormément d'exemples. Moi, ici, on est au 66 Champs-Élysées, à côté, c'est la Boétie, Artois, Washington, d'autres quartiers, autour de moi. Christos, autour de moi depuis 40 ans, je me rappelle des hommes qui étaient patrons d'hôtels, patrons de restaurants, patrons de sociétés, tel. Ils étaient tellement riches, voitures, maisons, mais tout d'un coup, une faillite, avec son banque de problèmes, tout est coupé, zéro. Avec sa femme, il coupe tout. Il devait partager avec sa femme. Quand on partage, on voit qu'on a, on est endetté plus de ce qu'on a. Parce que tu sais, et il devient clochard. Oui, ils n'ont plus rien. Du coup, on perd leur père. Alors, c'est une autre histoire qu'on va passer à côté. Mais Rumi, qui est un grand patron de son ville, de sa ville, tout ça. Alors, un clochard, il vient le voir des ruches. Chams est apprécié. Alors déjà, il faut savoir, Shams et Tabriz. Shams, ça veut dire soleil. Tabriz, c'est la ville la plus grande de l'époque. Il dit que moi, je viens de la ville de Tabriz. Il dit que je viens de Tabriz, c'était Azari, enfin turc, actuellement c'est turc, Azari, mais perse. Alors, il commence à parler avec Rumi. Rumi, il voit, c'est formidable. Ils vont passer les nuits ensemble. Comme pour la plupart des fois, que moi-même, grâce à Dieu, j'avais dit un mot à nos amis. Cette mot, ils m'ont dit, hein, ils m'ont dit que ça changeait leur vie. Par exemple, quand je parlais de verset satanique, j'ai dit le verset satanique existe dans le Coran, avant qu'ils allaient me rejeter et l'écrire. Hein. Je dis, c'est dans le Coran même, il dit que c'est le diable qui l'a mis ça dans ta bouche, à Mahomet. Retire ça, on a retiré, on a mis d'autres choses. Et ça, même dans le livre que je t'ai montré de Mitra à Mahomet, je l'avais écrit en 1981. Alors, dès que l'individu, il sait, ah bon, l'origine de ça aussi, ça existe dans le Coran, la tête, ça change. Dès qu'on dit, qu'est-ce que ça veut dire, Allahu Akbar, pour ceux qui ne savent pas, même maintenant que je suis en train de parler, depuis 40 ans, on en a dit plusieurs fois, je suis sûr et certain que certains ne savent pas Allah Akbar, qu'est-ce que ça veut dire. Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Allah n'est pas le Dieu. Les gens ne savent pas, Allah, ça veut dire les statuts de la famille de Mahomet. Allah en arabe, c'est-à-dire le Dieu en arabe, ça veut dire Rab. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Beaucoup d'autres choses qu'on a dit sur l'antenne. Des choses comme ça. Shams et Tabriz va raconter à Rumi. Et ça commence comme ça. Demain, il y en a exécution de quelqu'un, surtout pour Robert Badinter. Ce serait bien de vous dire ça. Demain, on va exécuter quelqu'un, un innocent. Shams et Tabriz, il sait que
cet individu, il est innocent. Le soir, il va venir chez Rumi, le patron de la ville. Il commence à parler, et tout de suite, il devient un militant de Shams Tabrizi. Et le matin, à 5 heures du matin, quand le soleil, il exécute. Même actuellement, dans les pays musulmans, le matin, à l'aube, on exécute. C'est-à-dire, on dit azan, on dit la chanson Allah, Akbar, Allah, Akbar, il chante ça pour la prière du matin. D'accord. À l'aube, on exécute les gens. Dans les pays musulmans, actuellement aussi, c'est comme ça. C'est-à-dire, cette chanson, c'est le signe pour l'exécution. En Iran, tous les matins, c'est comme ça. Dans certains pays, c'est comme ça. Moulavi, Shams Tabrizi dit, alors, Rumi, c'est l'heure. Tu dois faire une prière. Elle dit, ah oui, je dois faire la prière. Et on doit exécuter quelqu'un aussi. Ah bon, tu dois exécuter quelqu'un? Oui. Tu es qui pour exécuter quelqu'un? Je suis le juge ici. Je suis le juge. La vie, c'est qui donne? Le Dieu. Toi, tu es qui pour prendre la vie de quelqu'un? Ah, j'ai jugé. Toi, tu as jugé. Mais c'est qui va te juger? Si tu as fait une erreur. Ah non, il y avait des témoignages et tout ça. S'ils ont témoigné en mensonge, c'était un coup monté. Tu as fait tes enquêtes? Ah non, j'ai fait confiance, il y avait 4 témoins, tout ça. 4 témoins, c'est fini. Tu as fait confiance. Tu vas tuer quelqu'un pour que 4 témoins. Christos. il parle, il continue leur débat qu'il avait depuis 8 heures du soir et les 5 heures, 4 heures du matin. Il se lève. Il va investiguer. Rumi, il se lève, il va aller en ville, dans la place, on est en train de ramener l'individu pour l'exécuter. Il crie. Il dit, mon peuple, vous devez savoir. À partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant-là, je ne suis plus le juge de Konya. Je démissionne. Et il prend le turban sous la tête, il le jette par terre. Okay. Et il commence à danser. Moi, j'étais présent jour de naissance de Rumi à Konya. Plusieurs fois, j'étais invité. En fait, quand en fait, il y a tournant derviche. Derviche tournant, là, le mot derviche ici, on l'utilise. Le danse de derviche tournant. Tu vois, c'est le danse de derviche tournant. D'accord. C'est derviche. C'est le soufi avec leur chapeau. C'est Rumi, oui. C'est le fidèle de Rumi, c'est soufi. Mais on dit derviche tournant. D'accord. Et dès qu'il jette par terre son turban, il commence à danser. Et quand il danse, on va écouter l'individu, mais lui est en train de danser, il commence à chanter. Et tout à coup, il devient poète. Jusque maintenant, il n'avait même pas dit un mot en poésie. Il va chanter les choses que tu dis, les choses que tu sais, les choses que tu mets à droite, à gauche, tu le mets. Il va chanter, il va dire ça. Et là, Shams Tabrizi, il vient, il le regarde. Et le soleil va arriver. Et l'exécution va être arrêtée. Shams Tabrizi, il va quitter la ville. Lui, il est en train de danser. Dès qu'il finit la danse, il lui dit Shams, il n'est plus là. Ses amis, il dit, ça y est, il est parti. Ah non ! Il va courir derrière lui. Très bon. Pendant des jours, des mois, etc. etc. C'est très bon. Mais Rumi, c'est les textes de Rumi, ici, on m'a sorti un peu de la dépression il y a quelques années en arrière. Ils sont très bons. Il a une façon avec les mots de mettre les mots, même traduit, hein, parce que j'ai écouté en anglais. C'était Deepak Chopra, il a fait une vidéo et j'ai entendu ça avec de la musique et tout. C'est après un peu méditatif et tout, mais c'est extrêmement beau. Ces textes, ils sont, même après en lisant en français, sont profonds, assez très très profonds même. Bien sûr. Très profonds. Et beaucoup de sagesse à l'intérieur de très très peu de mots. Mon père, il disait, mon grand-père, à Rumi, parce qu'il vient de notre province, de notre ville, Rumi. Et moi, je connais toujours, je connaissais par cœur plusieurs poèmes de Rumi, en chanté, en dansé avec Rumi.
c'est sacré, Lumi. Tu vois, le bouquin, ça fait 700-800 pages, je vais te montrer, nous les avons ici, le bouquin de Rumi. Mm-hmm. 700-800 pages, nous les avons ici derrière. D'accord. Moi j'ai des toutes petites versions. Hein. C'est bien. Des toutes petites versions. J'ai l'origine, j'ai en langue persane. De toute façon, maintenant, n'importe quoi que tu veux sur l'internet. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on va faire une petite pause avec la musique. Radio ici maintenant, il est 18h24, le 24 février 2024. On reste toujours avec le thème la beauté dans le mysticisme, dans les religions et tout ce qui est mystique, tout ce qui est, on va dire, pensée intérieure. On a développé ça, moi, avec David Abbassi. Donc du coup, on va poser la dernière question et on va clôturer avec ça dans pas longtemps. On va terminer l'émission dans pas longtemps. On va lancer ce petit thème, ce dernier thème, à voir qu'est-ce que ça va sortir. Et je vous laisse écouter. Alors, David, les expériences esthétiques peuvent-elles conduire à des expériences mystiques ou spirituelles? Y a-t-il des récits de personnes ayant vécu des moments de transcendance à travers la contemplation de la beauté? On va terminer en beau là. Alors, si tu permets, avant que moi je te réponde, oui. Cette fois-ci, je vais te poser la même question. Ah, quelle est ta réponse à toi? Voilà. Ah. Parce que c'est toi qui es allé chercher des questions clichés. chat GPT, artificiel. Ouais. Alors, c'est à toi de répondre. Qu'est-ce que tu en penses? Alors. Bah, moi, je, en tant qu'artiste, parce que je sais pas si vous savez, mais je suis artiste peintre, pas de métier, mais de passion. Oui, j'ai vu tes affaires, là. Hein. Ouais, j'ai quelques tableaux. J'en vends, si vous voulez, aussi. Hein, on sait jamais. donc, du coup, moi, dans l'esthétique, ça fait partie. C'est le travail de l'artiste peintre. C'est récupérer, créer des images, des pensées. En fait, dans l'art... dans la peinture principalement, dans l'art de l'image, c'est on essaie de composer une image que ça soit esthétiquement agréable et qui parle en même temps, parce que l'art c'est plutôt de l'expression humaine et on veut convoiter un message, on veut écrire un message avec des images et le traduire dans un tableau. Normalement un vrai artiste fait ça. Après, il y en a beaucoup qui mettent une banane avec du scotch contre le mur et ils vendent ça à 100 000 euros. Mais en vrai, ça c'est un autre thème que je développerai pas un autre jour. Mais oui, donc du coup, l'esthétique, la beauté, en tant que pour obtenir une transcendance. Oui, oui. Bah, on peut appeler le syndrome de Stendhal. Je sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr, oui, oui. C'est... le syndrome, pour qui ne le sache pas, c'est pas qu'est-ce que c'est le syndrome de Stendhal, c'est il y a le mec, la personne, c'est un philosophe qui s'appelle Stendhal. Il est parti en Florence, mmh. Et c'est là qu'il a développé cette idéologie, parce que ça lui est arrivé. Mmh. Il s'est déparé devant les monuments de Florence, les grands bâtiments en noir et blanc. Oui. Et il a eu comme un gros vertige, et il n'osait, qu'il tournait la tête, il a fait presque se écrouler par terre. À cause de tant de beauté qui l'entourait. Donc du coup, voilà, ça c'est le niveau extrême de la transcendance à travers la beauté. C'est presque un orgasme de beauté, un orgasme intellectuel que le cerveau ne comprend plus rien, il s'éteint. Voilà. Ça peut arriver quand on regarde une peinture, on écoute une musique. Ça peut arriver quand on lit un bouquin, bah, on était en train de parler de Rumi, ça peut faire partie, ça peut aider à ouvrir l'esprit. Par exemple, il y a des gens qui lisent le Coran, il y a des gens qui lisent la Bible, il y a des gens qui lisent le Bhagavad Gita, voilà, ils utilisent ces textes-là et ils lisent ces textes-là parce qu'ils trouvent que c'est beau, ça leur ouvre l'esprit, ça leur aide à transcendre
lorsqu'ils sont. Voilà, ça leur aide à voir ailleurs, au-delà de ce qu'ils croient être. Voilà, c'est ça qui sert. Normalement, l'objectif de l'art, c'est ça. D'un peintre, l'un peintre fait de l'art pour qu'il puisse partager son émoi. Bien, bien. Alors moi, j'ai un souvenir de trois grands artistes. Mm-hmm. Picasso, oui. Dali, ah. Seyhoun. Seyhoun, ah. Tu ne le connais pas ? Je ne connais pas. Il était fondateur de Beaux-Arts iraniens. Oh. Il est étudiant à Paris à l'époque. Et il était copain, camarade avec Dali et avec Picasso. Il est déjà décédé, il est déjà de 3 ans. Il habitait à Vancouver. D'accord. Tu vois la caricature, non, les deux, trois dessins, c'est pas là que je vais te montrer après. Okay. Le dessin, c'est lui qui m'a fait. D'accord. C'est-à-dire, quand on était au restaurant, quand il venait ici aux Champs-Élysées, mm-hmm. il prenait un papier, tout ça, il me dessinait deux fois. Et même une fois, c'est pour ça que je suis en train de parler d'art, art ancien. Alors, même une fois, il m'a dit, signe ici, je signais. À partir de ma signature, il a fait un dessin, une minute, ouais. Seulement une minute, qui était très joli, que je l'ai gardé ici. Alors Seyhoun, actuellement même, il y a plusieurs monuments historiques récents qui étaient faits le siècle dernier, pour Omar Khayyam, pour Rumi, pour Ferdowsi, des statues de Nader Shah. L'architecte, c'est lui. D'accord. Alors, c'était quelqu'un de très exceptionnel. Et il m'a appris énormément de choses sur la beauté des arts. Mmh. Comment on peut connaître une création est beau et bien ou non. Mmh. C'est pour ça, un jour, à l'époque, il était résident même en France, après la révolution, il est venu ici. Par exemple, Farah Diba, la femme de l'ancien Shah d'Iran, était une de ses étudiants. Mm-hmm. Alors, lui, comment je l'ai reconnu pour la première fois, dans les années 90, j'étais invité à Vancouver, au Canada, pour donner une conférence. D'accord. Alors, je rentre dans la salle de conférence avec mes amis qui m'avaient invité. On voit un monsieur âgé est assis à la salle. Il n'y a personne sauf lui. On entre, on commence à parler, préparer le son et tout ça. Après, le médecin qui m'avait invité, qui était le président de l'association qui faisait ça, il m'a dit, vous ne l'avez pas reconnu? J'ai dit, qui? Il m'a dit, ce monsieur-là. J'ai dit, non. Il dit, c'est Hushang Seyhoun. Et tout de suite, je suis allé le voir, il est en train de me regarder comme ça. Et il se lève, on s'embrasse et tout ça, et je vois qu'il avait lu mes bouquins. J'ai dit, moi, j'ai rêvé de vous voir. Puisque, je vais te montrer tout à l'heure, tu vas voir, Nader Shah, c'est un roi iranien, lui, il a fait son statue. Dans son tombeau, qui était juste à côté de chez moi. Okay. Et chaque matin, j'ai passé devant cette statue, je suis en train de parler de l'art et la beauté de l'art, Christos. Chaque fois quand j'ai passé, je pensais que, puisque le roi Nader Shah, il vivait il y a déjà 200 ans, cet emplacement aussi, cette statue aussi, il est tellement ancien, de 200 ans. Toujours, je pensais comme ça. Okay. Alors, un jour, j'ai posé la question à gardien de temple, et il m'a dit, c'est fait par Hushang Seyhoun. J'ai dit, ah, Hushang Seyhoun, son nom aussi, cet arbre étrange. J'ai dit, sans aucun doute, 150, 200 ans avant, il vivait. Il a dit, non, mon fils, il est actuellement à Téhéran, président de l'université. Ah bon, j'avais envie de le voir. Alors, le jour que je l'ai vu, qu'il est venu pour mon conférence, ma vie et ma vision sur l'art et la beauté a changé. Okay. Puisque pendant quelques minutes qu'on a parlé ensemble, avant que mon conférence ça commence, il m'a appris énormément de choses, c'est-à-dire le flash d'un savant vers quelqu'un, pour moi c'était très riche.
quand on finit mon conférence, c'était vers minuit, on doit aller dormir, mais mon copain, il a dit, on va aller manger à la maison, on va acheter Pizza Hut. Il a acheté 10 Pizza Hut, on est allé à la maison. Au Shang et Seyoun est venu avec nous, à la maison, jusqu'à 4 heures du matin, on a parlé ensemble. Et là, j'ai compris ce qu'un artiste, il fait réellement. Parce que moi, ma fille, elle est artiste peintre. Mmh. Et même depuis l'âge de 4 à 5 ans, elle a commencé à faire des choses qui étaient énormes. Mmh. Par exemple, toujours, on dit, ah, il est artiste depuis 4 ans, l'âge de 4 ans, 3 ans. Mais heureusement, j'ai enregistré ce que Morgane a fait. Mmh. Par exemple, elle a 3 ans. Elle a le microphone à la main, en train de chanter, en train d'animer. Ouais. 3 ans. Il y en a des photos. À 4 ans, il fait une peinture, que je crois que j'ai à la maison ici, qui jusqu'à maintenant, quand je regarde, je suis étonné d'une fille qui pouvait faire ça à l'âge de 4-5 ans. Ce Shang et Seyon, il m'a donné quelques trucages de l'art, comme quoi être artiste, ce n'est pas aller à l'université, à l'école, étudier. C'est dans le sang de l'individu. Ouais. C'est-à-dire être artiste, la beauté, comme on dit, la beauté réelle, c'est dans le sang, mm-hmm. À l'intérieur de l'individu. Alors, art aussi, c'est de temps en temps, tu vois une personne en face de toi, fille, un homme, tu penses qu'il est comme les autres, mais tout d'un coup, par exemple, c'est une fille, elle veut monter sur scène, elle veut commencer à danser. Mmh. Punaise, quel travail divin, ouais. Quelle danse. Et dès qu'elle descend, normal. C'est normal. C'est là la beauté d'art qui est cachée partout, mais la beauté du visage. Tu vois une femme, un homme, tu vois qu'il est beau. Oh, moi, je suis toujours quelqu'un qui admire la beauté, hein, depuis mon enfant, pas de problème. Mais pour moi, c'est beauté de l'individu, ce n'est pas son visage ou son corps, mais aussi l'intérieur de la personne et l'intention qu'il a. Voilà, Christos. Très bien. Très bien, très bien. Oui. Alors l'artiste, oui. Ça, le boulot de l'artiste, c'est voilà, c'est en fait ma lecture, c'est l'artiste, il prend la essence de sa beauté, il utilise sa beauté, son sens de beauté, et le exprime dans un papier, dans une photographie, dans une musique, dans un livre, dans un texte, dans ce qu'on veut. C'est ça en fait, et on récupère tout ce qu'on trouve qui est beau et on le fait exprimer dans un support. Et le support, ça peut être une toile, ça peut être une feuille de papier. Ça peut être une partition. Voilà, comme on écoutait là, tout à l'heure, le Beethoven, que moi j'adore. C'est pour ça que j'ai mis. Peut-être pas tout le monde va aimer, mais voilà. Moi j'adore Beethoven. Voilà. Bon, donc, on va terminer là. Parce qu'on sent qu'on est fatigué, là. Et on va voulait. Bon, s'il y a personne qui appelle, entre-temps, voilà, j'attends peut-être 5 minutes, même pas. Et voilà, on va donner pour terminer. On était avec Christos. Voilà. Mes chers amis, tous les derniers samedis du mois, moi c'est après Christos, mais avant moi c'est Christos qui va être avec vous. Préparez-vous, si vous avez même des questions techniques, puisqu'il est en même temps artiste, en même temps informaticien, oui. Pour les pages internet, la création, ouais. Et tout ça, préparez vos questions, vous pouvez la poser des questions à partir de la prochaine émission. Voilà, n'oubliez pas, tous les derniers samedis du mois, il est avec nous. Voilà, dans l'après-midi des samedis, derniers samedis du mois. Voilà. Voilà. Bon, à la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.